Ça va? Ah, oh, c'est tellement plus facile qu'hier. Ouais. Pourquoi? Bah parce que je connais la ligne et puis je sais qu'à la fin il faut garder son calme à tout prix quoi. Il faut pas vouloir aller trop vite sur la fin parce que c'est la partie la plus facile et on est épuisé mentalement alors que physiquement on se refait. Du coup on gagne en confiance. On croit que c'est fini. Alors que c'est fini quand on touche là. Là je connaissais la ligne du début à la fin. Je savais quelles étaient les parties dures, vraiment dures. Donc, je savais comment économiser de l'énergie pour en donner plus à ce moment-là. Maintenant il va falloir faire le retour, pas tout de suite, hein, on va faire une pause. C'est beaucoup moins fatigant de regarder le sol. Parce que la vision est proche, du coup tu perds pas en. Tu serres pas tes muscles des yeux. Ouais, Et en revanche, l'information est moins bonne. Et au début, par exemple, tu es obligé de regarder à la fin. Et quand tu es sur les 100 derniers mètres, tu sais plus où tu es. Les seuls repères que tu as, c'est les bandes. Et je les ai mal comptées. Du coup, j'ai cru que j'étais beaucoup plus près de la fin. Je devais regarder comme ça. Et en fait, même le fait de bouger les yeux, bah, ça les repose. Et puis, le fait de savoir où t'es, c'est vraiment important. Oh putain.